pas appelé, putain, elle en a mis 4 l'enculé. Et Mbappé, le nom qu'on retiendra de cette Coupe du Monde. Messi la pose. Ah, on a perdu. Suzan, on a gagné ou on a perdu? Tu peux redire? La nostalgie. Elle n'ose même pas le dire très fort. Don't look at me, please. Les macarons. Les macarons. Les macarons. C'est quoi les macarons? Les macarons, c'est des trucs comme ça, les petits trucs comme ça. Oui, mais si tu dis. Parce que ça fait genre les boules d'Emmanuel Macron. Les macarons d'Emmanuel Macron, c'est bon. 5, 4, 3, 2, 1. En ce moment, j'héberge Tricia à la maison. Vous devez vous souvenir d'elle dans les vlogs. Elle est trop mignonne. Et du coup, elle fait sa vie, nananère. Elle est partie manger avec une pote. Là, je suis en train de bosser un petit peu sur l'ordi. Et elle me sert pas tout ça, wesh. Mais trop mignonne. Elle mange tout ça. Regarde, des crudités et tout. C'est une belle assiette, ça, de légumes. Hein. C'est tout ce que tu voulais. Ben ouais. C'est tout ce que. Bah, après, moi, j'ai bu un petit coca, mais ça va me faire une. Ça va être bon, ça, non? Mais attends, mais il y a des. C'est quoi ça? De quoi? Ça, c'est pas des concombres, non? Non. Ah, trop bien, c'est des courgettes. Mmh. Bon, mais bon appétit. Merci. De rien. Pegando a prima e vou ficar bem de frente.
quando eu chego nessa rima, tu pegou ela. Coitada da minha prima. Chego no ouvido, eu tô ligado que tá chegando o Natal. Vou mandando improvisando. Olha, eu chego no internet. Eu tô ligado que Papai Noel no Natal vai te dar uma camisinha de presente. Você falou que é tenente, eu sou capitão, comando esse leme. Chego ferlamu, a Beck tá feme. É desse jeito, você não é ninguém, tá ligado? Que eu mando com nada, mulher, comentário na rima levado. Você fica olhando assim, pensando como esse cara manda um metralhado. E fica olhando, caralho, esse cara é bom. Tu não manja de improvisação. Ah, você manda um metralhado. Fica tranquilo, que eu vou fazer tu ficar curado. Eu vou mandando, improvisando nesse dom. Sabe por quê? Jesus e Medison. En fait, mes potes, ils aiment trop faire des batailles de rap. Et donc, du coup, ils font ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, ils s'arrêtent plus, genre. E aí, o que eu faço, parceiro? Genre, ils s'arrêtent plus, genre, les mecs. En fait, j'ai analysé. En fait, là, c'est bon. Tiens. Et toi, tu m'as dit avec sa bouche, lui. On a plein la bouche. Vous savez, 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 il faut que je fasse un update de ce qui s'est passé hier parce que putain, je les aime tellement mes potes, j'ai tellement de la chance de les avoir. En fait hier il pleuvait des cordes à la mort et avec Suzanne on avait envie d'aller à la fête de la... C'était la fête de fin des féminités. Sauf que tous nos potes nous ont dit mais en fait vous faites quoi parce que nous on est prêts, on part là. On s'est habillé en 2-2, on est parti. Déjà ces mecs ils sortent pas beaucoup, là il était là. Je me suis dit oulala, il y avait donc Enrique comme d'hab, Chaveiro. Gustavo aussi, c'est qui sort de la maison, c'est pas tous les jours. Gustavo, Ratan, Semench. J'ai dit bon, allez, on sort, on sort. Pendant qu'on est dans la voiture, Ratan qui reçoit un message, Pablo. Ouais, dis à Elodie qu'elle m'envoie l'adresse, nanana, j'arrive. J'ai dit ah, et donc je me suis dit Pablo, il va venir avec des potes. Mais qui est venu tout seul. Et c'était une soirée trop bien, on a une synergie de ouf. Et ce que j'aime en fait, c'est que eux de base, c'est des amis d'enfance en fait, des proches. Et en fait, on est complètement inclus dans le groupe. Gonflé celle-là. Alors, Suzanne, aujourd'hui, je sais pas ce que t'as peut-être tes règles, mais t'es particulièrement un peu embêtante. Je sais que c'est un petit peu sexiste de dire ça. En fait, tu insinues que parce que j'ai mes règles, je suis chiante. Non, mais attends, attends, déjà, je suis très bien placée pour le dire. Je suis pas un homme, donc c'est pas sexiste. Et je sais très bien que les règles ont un impact sur nos émotions, ok? Donc, alors, t'as vu? J'ai déjà eu mes règles, je pourrais être seule. Tout au BM, tout au bas BM. Elle où? C'est bon? Tu as compris? Est-ce que tu as compris quand je te parle? Je vais faire la mêlée avec moi, là. Ouais, ben fais pas trop la dingue parce que... Je le sème. Hop là. Je le sème. Alors, je te dis à tout à l'heure, mon chat. Inch'Allah. Allez, super. Allez, génial. Allez, ciao. Arrivederci. Arrivederci. Ciao, ragazza. Allez, salut, mon chat. Ferme bien la porte derrière toi, s'il te plaît. Non, non, je vais aller sous-mer. Histoire que tu reviens plus. Je vais grande, grande aller sous-mer, c'est bon. Comme ça. Et je me casse. Ciao. Ah, j'ai bien fermé derrière toi, ragazza. On se revoit tout à l'heure, ragazza. Ouais, salut. Avec ton linge là. Thank you.
Avec Suzanne, on a décidé... Qu'est-ce que c'est tous ces sables, ça? Avec Suzanne, on a décidé de venir à la plage. Bon, comme tu peux le voir, il fait absolument pas soleil. Mais au moins, Suzanne, elle a profité d'une caipirinha. Il y a pas trop de monde à la plage, forcément, il fait pas beau. Et puis, elle peut dire Feliz Natal. Oh, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna miss you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas and a bottle of my heart. Feliz Navidad. Elle a pas l'air de sourire, hein, Susan. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y feliz. La team qui nous a rejoint, hein. Voilà, petite team par là. Il nous manque. Et là genre ici c'est la ruelle et là c'est là où ici là c'est là où Pablo il habite. Vous savez notre pote là son père il a mis une grosse enceinte, sa mère il est en train de mettre de la musique, il s'ambiance même pas, il est devant la porte, il fait rien le mec. Je sais pas si vous me voyez, je crois que vous ne me voyez pas. Wesh, il y en a un qui est parti super haut. Il est allé tout là-haut là. Wesh, 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 wesh. Bon, il a juste fait du bruit. Moi, il y avait le cœur. Ben oui, je te dis.